Grenadier. Mounde, mesdames, yo. Tête chargée, genjou. Défaite indépendance, États-Unis et puis américaine, yo. Ça veut dire Saline nous monter nous. Alors bonjour. Présent pour nous capables porter information. Dernier espoir que nous gagnons pour dernier espoir Coupe du Monde nous, c'est sous mes nous besoin puis nous dans la Coupe du Monde. Australie passer par États-Unis jodi un dans le football féminin et la Suède, la France, Mexique en degré moins, Canada, la Chine, la Chine. Bon, dans la zone Asie qui est contrôlée. C'est mastodonte. Et bien, je veux dire que l'équipe haïtienne, pour nous, deux bagailles. On tout ça avait perdu dans le premier match. Contre considération, m'bavle mal là dans des mais t'es quoi que par rapport à talent qui est dans l'équipe, ça nous t'a supposé capable. Et puis, essayer ouais, comment tout ça nous a limité et puis pour nous avec un résultat positif. Qui te dit nous que nous prenons pour nous faire entendre toutes les réactions joueuses, entraîneurs avant match. Mais bon, partager avec vous, moun qui prennent défendre couleur aujourd'hui. Bon, rappelons pour qu'on connaisse qui moun yo ye. Joue nous pral et joueuse qui yo même pral des couleurs nous 23 moun sa yo qui au Mexique qui gen pour devoir mais gen responsabilité pour yo bay pays en qualification beaucoup et met ton ticket content kay nous parce que pas gen rien de passer la kay jodi a mais au moins capable pour ton ti qu'est content pour nous, pour ton petit espoir pour nous, pour ton petit la joie pour nous, si au ban nous billet ça pour la Coupe du Monde. Mais 23 moun qui l'autre bord, qui pral défendre équipe pour on dit pral défendre drapeau bleu qui pral défendre. Et nous gen Fleurio Madlina, surpris Chelsea Ariane, image Jennifer, alors Fleurio 1, numéro 2, ça veut dire Lenoué. Souterrain, numéro 2, c'est surpris. Numéro 3, l'image Jennifer. Joseph de Jenny Rita Kirby. Numéro 5, Mine. Numéro 6, Dumorné Ayel, qui c'est Coventina. Il y en a surpris qui a joué en France. On l'a superstar, nous rien encore. Et numéro 8, là c'est Megan. Et numéro 9, c'est un attaquant. Numéro 10, sta nous Nerilia Mondé la Mondé nous connaît ça lié déjà une moun nous compter sous li en te Coventina Nerilia Mondé numéro 11 Eloi Saint Rose Ambroise Naomi numéro 13 frère Bettina numéro 4 Constant Claire c'est une haïtienne d'origine une américaine d'origine haïtienne pas américain et papa et maman c'est américaine. Alors nous avons fait une interview que Benji quand il expliquait que
il y a possibilité pour le jouer pour Haïti. L'Elvin, il a mis en contact avec les sélectionneurs. Aurélien, c'était tant d'étapes, tant pour que l'idée prend pile en pile en pile pour tes couleurs, sélection nationale là. L'hypothé numéro 14, et les joueurs défenseurs que l'y numéro 15, Florcy Love Darlina. 16, Pierre-Jérôme Milan Raquel. Félix Mikaelin, on l'autre superstar nous gagnons. Numéro 18, Joseph Kov. Numéro 19, Pierre Lui. Numéro 20, Louis Ketna. 21, Mathieu Ni. Ça lui-même, c'est on. Whitney, capable. Et puis, numéro 20, je la rose là. Son l'autre joue que n'a pas pile espoir sur lui. 3 qui c'est Youn et gars posé en bagol là et la Colara Sofia Nina qui censé numéro stage qui était fait Costa Rica Madelina Patla et est-ce que après elle continuer faire Madelina confiance nous pas connaître mais la co c'est lui même qui était fait tout stage là peut-être c'est lui même qui capable démarrer match ça pour nous américain yo. Alors qui ça cal pour compétition ça calendrier c'est jour n'a joué face à États-Unis à non dans stade qui est l'université yo et puis le 7 juillet à 10h dans BBVA et puis n'a joué le face à l'équipe Jamaïque là même stade ça BBVA jouer match ça. Alors bon dis nous point 4 points pour nous capables du monde là on victoire 4 points nous fini deuxième derrière de n'importe qui deuxième là et puis nous deux premiers dans chaque groupe c'est groupe là Costa Rica les gagner et bien dans groupe pas nous Mexique Jamaïque là dans chaque groupe moun ki deux premiers moun yo yo tout ka plan directement ça vient faire qui ça une chance nous maintenant si ça arrive à jouer une qualification en direct a bon chance mais nous pas dans barrage là baser doit nous à nous tout motivé derrière do monsieur amio et puis pour nous capable qualification ça direct pour la compétition du monde Australie 2023 Australie Nouvelle-Zélande. Mais mesdames nous yo et Nerila Modésir da na lui Whitney Mathurin et n'a gardé et Coventina là yo super motivé ça qui mène Delépine Nico et cap mène équipe nationale française. Bon, jusqu'à présent, il fait good job. Nous pas gagner pour nous capable reprocher et par rapport à gens que l'a mené ce staff ça cap mené. Nous souhaiter que effectivement sorti bien dans après-midi. Alors, nous pral kito pour capable suivre déclaration d'avant Mathieu. N'a pas le fort temps de entraîneur de Lépine. Après de Lépine, Nerilia Modésir et Coventina avec Whitney Mathurin, yo pral réagi avant match jodi a. Qui ça vous pensez? Est-ce que nous gen chance? Comment yo match là et qui ça y a pas tant de public haïtien de près ou de loin? C'est autant d'informations que nous pote pour vous et mais nous invite à écouter entraîneur Nicolas Delpine. Nerilia Modésir, Melchidi Daniel Dumorné, qui c'est Coventina, pour tout le monde qui connaît le nom ça plus bien, et puis Whitney Mathurin, qui c'est une meilleure milieu de terrain que nous gagnons en dans l'équipe haïtienne ça. Grenadier à l'assaut, nous pas nous respecter yo, nous pral jouer avec yo, nous pral chercher résultat face à eux même. C'est pas facile, rien pas facile dans la vie, mais par contre nous pas gagner pour une baisser tête devant yo. Nous allons mettre talent nous. En évidence, nous allons mettre que nous. Et dans la bataille là, conviction nous dans la bataille là, rage de vaincre dans la bataille là. Et surtout, nous allons défendre le drapeau nous. Même gens eux-mêmes, ils ont fait indépendance, ils vont défendre le drapeau tout. Ça veut dire que c'est pour Lyon, belle bataille.
On suit déclaration et messieurs dames yo avant match ça lui-même li fait n'a pas connait qui ça yo même yo pensé. On suit. Oui, il y avait encore un petit peu de fatigue restante de voilà de changement et de cette acclimatation, mais on a vu que ce soir voilà l'énergie était en train de revenir. J'ai envie de dire que pour l'instant le plan se déroule comme on l'avait prévu, avec un petit creux là lié au voyage, au changement d'hôtel, et puis une remontée en puissance qui se fait à J-2 avec une séance de demain J-1 qui sera je pense dans ce qu'on avait prévu. Donc c'est tout simplement le peaufinement de la mise en place tactique qui se fait là. Oui, on a travaillé beaucoup tactiquement ce soir, et d'ailleurs beaucoup tactiquement depuis le premier match face au Costa Rica. Je crois que c'est l'essentiel de notre travail, puisqu'on l'a dit déjà répété plusieurs fois. Il y a du talent et de l'énergie à revendre dans cette équipe. Par contre, une organisation qui laisse parfois à désirer, une concentration fluctuante. Donc c'est le gros de notre travail, c'est d'avoir un cadre tactique constant, fort, et puis d'avoir une concentration qui est optimale sur le match. Je constate qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup de détermination chez les filles. Est-ce la compétition qui indique ça, ou tout simplement vous travaillez ça? On travaille, non, je pense qu'elles l'ont naturellement. C'est un groupe qui est fantastique pour ça. Je pense que quand le match arrive, il n'y a pas grand chose à dire quand on est un coach le jour du match. On a tout travaillé avant, et le jour du match elles sont exceptionnelles, parce qu'il y a une générosité et un engagement qui est total. Donc nous on a juste à les mettre sur les bons rails, à les laisser dans le bon cadre pour qu'elles puissent aller chercher les résultats qui sont à la hauteur de leur talent. Vous travaillez sur les séquences vidéo en groupe et en individuel, en quoi est-ce nécessaire, et est-ce que jusqu'ici ça vous réussit? Oui, je pense, parce que le staff fait un gros travail. On passe beaucoup de temps à préparer ça, parce que chaque joueuse a des retours individuels sur ce qu'elle a fait dans le match, donc ça lui permet de peaufiner son placement individuel, ses petites orientations, mais aussi la vision de ses adversaires direct. Et puis on a un gros travail qui se fait là collectif sur le retour des matchs et sur la mise en place tactique à l'entraînement. Mais c'est vrai que ce travail individuel, c'est un gros plus. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le travail tactique, c'est essentiel pour elle. Donc si on ne le fait pas, ça serait un gros point négatif pour nous. Et demain, ce sera la séance d'avant-match et classique, et toujours dans le cadre de la mise en place tactique. Voilà, tout à fait. Demain, on a une heure sur notre terrain de match du lendemain. On sait qu'on va mettre un petit peu d'énergie, de vivacité, de finition aussi. Et puis quelques petits rappels sur nos aspects défensifs. Mais vous l'entendez derrière moi, je crois que la joie, la bonne humeur dans n'importe quel exercice est toujours présente. Merci beaucoup, coach. Confiante et prête aussi. Parce que match demain est très important pour nous-mêmes. Et il faut que nous baillons de nous-mêmes et faire un bon match demain, quel que soit le résultat. On lâche rien, et je demande aux Haïtiens, aux fans, de croire en nous, parce que sinon on a besoin de support, beaucoup de support, pour qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde. Et on croit en nous, on croit dans cette équipe, et on espère faire un bon résultat demain. Chaque fois Haïti va jouer avec États-Unis, et en plus Haïtien pas oublier Guadeloupe fait avec genou, et en 2018 et c'est dans le niveau U20. Américaine, vous reconnaître, donc vous allez suivre, vous comme ça? Oui, je comme ça. Mais le foot, ça réserve beaucoup de surprises. Donc, je ne m'en fais pas pour moi. Je sais ce que je peux faire sur le terrain avec le ballon. Et cette équipe, on a beaucoup de bonnes joueuses. On a une équipe qui est confiante pour ce tournoi. Donc, je ne m'en fais pas. Mm-hmm. Si je fais rien sur le terrain, il y a d'autres joueuses. Il y a d'autres joueuses sur le terrain. Et, s'il met 15 joueurs sur moi, donc les autres seront libres, donc ça me va. À quelque chose, agents qui sont présentés là, a été capable de bénéficier de l'attention spéciale qu'il y a au Kaba, ou? Voilà, c'est ce que je pense. Si ils me donnent beaucoup d'attention, les autres joueurs, ils seront libres, donc c'est mieux pour l'équipe, et j'espère qu'on fera mieux demain. Il y a beaucoup de Haïtiens qui vont nous supporter demain, donc on est à l'affût. Uh-huh. En tant que capitaine, qui Jean et où contrôle le groupe là, et l'autre Jésus, vous entendez où?
Oui, attendez. Papa parle en pile, donc l'aime parler, me dit parole qui sérieux. Donc attendez comme peu importe mon cap parler dans groupe là, nous pas entendre pour entendre ça mon abdia parce que chaque monde qu'on parle important pour dit, même si mon n'a pas capitaine, même si mon capitaine, donc l'autre jour gain parole aussi. Donc il a parlé tout le monde, chaque monde qui prend parole dans groupe là, tout le monde entendait. Je pense que c'est important dans un groupe. Conventine a dit et il respecte tout le monde, mais pas personne, ça dit vous-même. Et ça slogan, et oui, en langage haïtien, c'est ça qu'on dit, hein. Nous respecter tout le monde, nous pas personne. Donc on va faire ça demain sur le terrain, il y a pas de petits, il y a pas de vieilles, donc il y a pas de superstar, il y a rien du tout. Donc c'est entre le ballon et nous, donc Grenadier à l'assaut. Voilà. Merci. Moi, ça tient bien parce que là, nous préparer match que nous allons jouer contre les États-Unis avec beaucoup de sérieusité. Donc, personnellement, moi, ça tient bien. Et collectivement, tout le monde bien, comme si feeling, comme si le passé, qu'on passe entre nous. Donc, on a dit que nous prêts. Tu as une très bonne préparation au Costa Rica. Oui, et deux matchs que nous avons joués permettent nous améliorer des batailles comme si que nous avons fait un pile erreur là-dedans. Donc, ça permet comme si nous sommes lancés de progression pour nous faire face avec. États-Unis dans deux jours, c'est pas un adversaire facile, mais nous comptons jouer avec les mettre en difficulté déjà. Oui, c'est vrai que nous pas jouer avec au niveau senior assez souvent, mais nous jouons avec moi joue avec une fois déjà. Donc c'est une équipe qui est assez courageuse, c'est champion du monde, donc nous respectons, mais nous pas gagner contre peur. Donc nous pas jouer avec des âmes que nous gagnons, nous même nous gagnons des joueuses qui talentueuses, nous même nous gagnons des joueuses qui dangereuses. Donc nous avons utilisé les qualités que nous gagnons et améliorer comme si faiblesse nous, nous avons fait face avec eux. Objectif là toujours même, mais aller dans la Coupe du Monde. C'est ça, donc c'est pour ça que nous sommes là. Donc nous pas gagner contre peur en rien. Donc nous connaissons que nous avons trois matchs que nous pas jouer qui est assez. Est difficile. Donc nous-mêmes nous faisons partie de gros équipes, même si comme si sous papier donc nos nouveaux contrats viennent en cadre comme les États-Unis, Mexique, l'autre, mais je connais que nous avons qualité et je pense que tout va aller bien. Bon, bon, belle ambiance dans le groupe là, c'est très bien. Ben oui, c'est ça qui fait un groupe jeu bien sûr et hors terrain. C'est comme si il y a une cohésion, il y a une camaraderie, franchement. Exactement, il y a une union entre nous, donc c'est ça qui fait force, nous, c'est l'union fait la force, comme bon. Devise nous. Un message pour le peuple haïtien qui remet cette élection ça à moi, comme ça. On connaît ça. Donc, le message que j'ai pour vous, c'est que le support est vraiment important. Et pas message ou bien comme si pas vibe qui nous dégage, nous capable de sentir ça, même si nous ne parlons pas avec tout le monde. Nous avons senti ça, nous avons besoin de support tout le monde pour nous faire face avec l'équipe ça. Donc, tout ça, nous avons dit, c'est que nous allons faire le meilleur possible de nous-mêmes pour nous qualifier pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure ou même regarde vidéo. J'ai un peu de monde qui connaît le nom de M. Maturin, défenseur sélection et université Louisiane Lafayette. On joueuse que la population a sollicité pendant tout le temps. Comment retrouvez-vous en groupe ça pendant qu'on est un peu de monde qui t'a sollicité retour? J'ai un peu de monde et me suivre ça tout. Ça fait un plaisir pour me tourner. Ça fait un bon 2 ans. C'est un plaisir et malgré 2 ans, mesdames, nous sommes toujours en parler de téléphone. Mais ouais, face à face, c'est vraiment un plaisir et un joy. Petit temps quand même. Et travail pour avancer, bien sûr. Là, la grande compétition, Captain, non? Ou prête, et physiquement, mentalement? Oui, corps à bon et mentalement, j'en dis, c'est le premier point, on m'a dit. Parce que si mental n'est pas en forme, nous ne pouvons pas avancer. Et je pense que moi-même, avec mesdames, nous sommes prêts pour entamer la compétition. Est-ce que ça qu'on arrive que joueuse que nous pourrions jouer là, ou tu rencontres dans l'université, l'OAB jouer, non? Pendant une fois, nous sommes tombés sous Milan, pas trop proche, mais nous sommes un petit genre connectés dans la zone. Mais sinon, nous avons des nouvelles, tout le monde, surtout pour nous parler. Et tout le monde a toujours des résultats match avant, et regarder l'équipe là. C'est toujours un plaisir. On faut parler de vous personnellement, ou à l'université, ou avez étudié quoi? Moi, j'ai étudié marketing. Ouais. Et c'est pour la deuxième année, qui est censée sophomore. Ou jouer pour l'université? Oui, je joue. Je suis sport et études, bien sûr. Son très belle carrière qu'on a entamée. Et vous n'avez pas rien priorité, football là, mais études là tout. Oui, parce qu'on a besoin quand même. J'ai un peu de monde qui a dit après sport, il faut que nous nous apprenions pour aider la famille, pour aider la vie. Et quand même pour baser son carrière, pour avancer. C'est ça. Yeah. Et à quel objectif vous tournez en sélection? Et pour porter surplus, bien sûr, pour m'aider l'équipe là, pour gagner un but personnel, pas tout. Pour montrer absence moins, tellement qu'équipe là
et avec ça tout passe sur plus ça aider nous avancer pour atteindre objectif là qui s'allier c'est à la mondiale tout le monde connaît merci beaucoup bien sûr merci